En tant qu'automobilistes, nous parcourons quotidiennement de nombreux kilomètres sur les routes du Luxembourg. Nous contribuons donc à une large mesure à la pollution atmosphérique, mais il y a des solutions pour y remédier. Nous avons donc décidé, le temps d'une journée, d'effectuer l'aller-retour domicile-travail en voiture électrique, plus précisément au volant de l'Audi e-tron et de l'Audi e-tron Sportback. Avec une longueur de 4,90 m, une largeur de près de 2 m et un poids de plus de 2,5 tonnes, on ne peut pas vraiment dire que les deux SUV électriques soient des poids-plumes. Doté d'une ligne de toit plate et plongeante à l'arrière, le Sportback, comme son nom l'indique, est plus sportif. Il ne manque en tout cas pas de place, ni dans le luxueux habitacle, ni au niveau du coffre. Les deux versions offrent aux conducteurs mais aussi aux passagers avant et arrière largement assez d'espace. Le volume du coffre est quant à lui quasiment identique pour les deux modèles, 660 litres pour l'e-tron et 615 litres pour l'e-tron Sportback. La question pour nous automobilistes était de savoir quelle distance nous allions parcourir avec une batterie chargée à bloc. En fonction de la motorisation et de la taille de la batterie, les SUV ont une autonomie allant de 336 à 440 km. En conditions réelles et par forte chaleur, elle est toutefois nettement moins importante. Nos trajets vers le Luxembourg sont donc de l'ordre du réalisable, même s'il ne reste pas une grande marge d'autonomie après un aller-retour. Le système de navigation indique clairement la portée restante par un cercle bleu et au besoin, la position des bornes de recharge situées à proximité. Si on s'en sort avec l'autonomie relativement claire, l'e-tron et sa version Sportback ont de quoi convaincre par la merveilleuse expérience de conduite qu'ils offrent. Les 230 voire 300 kWh de puissance sont amplement suffisants pour lancer rapidement et tout en silence le mastodonte de 2,5 tonnes. Le passage de 0 à 100 km/h se fait en seulement 6,8, respectivement 5,7 secondes pour atteindre sa vitesse de pointe à 200 km/h. On note aussi le mélange de confort et de puissance qui est extrêmement plaisant sur autoroute. Mais attention, si on s'amuse à pousser un peu l'Audi, il faudra la recharger plus vite. En ce qui nous concerne, cela fonctionne à merveille à Differdange, tout comme à domicile où l'on peut faire installer des solutions de recharge. Si on est en manque d'énergie en cours de route, il est possible de faire le plein de batterie à hauteur de 150 kWh à une borne de recharge rapide. Et ça ne prend que 20 à 30 minutes. Aux bornes de recharge lente, telles qu'on les connaît en milieu rural dans la grande région, la recharge nécessite toutefois nettement plus de temps. Et même si, vu de l'extérieur, l'Audi e-tron s'apparente à un SUV à moteur thermique classique, le premier modèle électrique d'Audi regorge de nombreuses innovations, ce qui fait également grimper son prix. On soulignera également son design classique, qui contribue au fait que les batteries de 700 kg offrent nettement moins d'autonomie que l'on pourrait le croire. Ceux qui rechargent exclusivement la batterie à domicile ou au travail, notamment les navetteurs, s'en sortent plutôt bien sur une journée. Mais ceux qui veulent parcourir des distances plus longues doivent non seulement recharger la batterie plus souvent, mais également se renseigner au préalable sur les infrastructures de chargement disponibles sur leur parcours.